février 1951. Profession, détective privé. Le soir fige à Paris et mes affaires, lorsque... Une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche. Que dis-je dans les pièces délabrées du manoir de Morteviel? Julia, une vieille femme à présent. Jérôme, il y a longtemps. Quelle tristesse, Julia est morte. Sa famille est ici. Guy, son fils et Eva Sabrou, Léo son mari bien sûr, son beau-fils Pat. Des cousins, Bob, Ida, Luke. La tempête redouble. Il vous faut rester. Les repas sont à 12 et 19 heures. Il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours. Thank you.
vous voyant, j'ai compris que vous découvririez la vérité, car je savais pourquoi vous veniez. J'avais retrouvé le brouillon de la lettre de Julia. Mais je suis très joueur, alors. Elle n'avait pas voulu que votre tâche soit trop facile. Pour me protéger, sans doute, mais elle n'a pu mourir avec cette incertitude sur la conscience. Avez-vous découvert que le mur du silence est le nom que les maçons ont donné au mur qui porte le blason, lors de la construction du manoir? Et ces cadeaux que Julia a laissés avant de mourir étaient autant de faux indices qui ne servaient qu'à faire ressortir l'importance des parchemins. Effectivement, il y a plus d'un an, je travaillais avec Muriel au décryptage de ces manuscrits que je venais de trouver. Ma femme a fait la relation entre notre travail et la disparition de Muriel. Mais elle n'a jamais eu de preuve, si ce n'est cette bague qu'elle a trouvée un jour dans mes affaires. Une nuit, nous nous sommes aventurés dans le passage secret que nous avions découvert. Muriel est morte par accident dans la pièce de la Vierge. J'ai récupéré sa bague rapidement, trouvé le trésor, et me suis enfui. Je ne pensais pas qu'elle vivait encore, et je n'ai rien dit car j'avais besoin d'argent. J'ai fait passer cette somme sur le compte des courses de chevaux. Partez maintenant, puisque vous n'êtes pas de la police. Laissez-moi seul.